On va essayer de faire une autre prise. Hein. Ouais. Bah, t'as plutôt intérêt de faire une autre prise. Que... Salut les internets. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. On va pas faire trop de montage. Je suis avec Daniel ici présent. Puis en fait, on va juste ouvrir la deuxième box de son cinéma. Du coup, Daniel est là parce que c'est un grand amateur de cinéma. J'avais envie de voir ce qu'il y a dedans aussi. Et puis surtout, t'étais là. Oui, j'étais là aussi. Oui, c'est vrai. Faire. Ça serait génial. Si ça se trouve, on va être déçu, hein. C'est sûrement un film qu'on connaît pas. Alors, effectivement, même remarque que la dernière fois, jolie petite boîte, ouais. Type boîte à chaussures un peu. Mais une jolie boîte. Du coup, je vais en avoir beaucoup qui vont s'empiler. Et on va regarder ce qu'il y a dedans alors. Alors, est-ce que tu connais ce film? Il est là le titre du film. Ah, mais oui, bien sûr! Ah, super, tu vas pouvoir en parler! Ah, c'est un très bon film ça! Il s'agit donc du film. Tu veux faire suspense? Je vais tomber. Tu fais suspense. On voit rien du tout, ouais. Breakfast Club. Alors, tu peux nous dire un petit mot sur ce film en Alors, c'est mon frère qui m'en avait parlé. C'est un film des années 80. Lui, il a adoré ça quand il était jeune. C'est dans une école. C'est des jeunes qui se retrouvent tous ensemble, en fait, dans un... Je crois qu'ils sont collés. Et donc, ils doivent faire rattraper un exercice comme ça. Ils sont tous ensemble pendant le samedi, je crois. Et en fait, c'est des gens qui viennent d'environ... Enfin, d'horizons différents. Par exemple, il y a un qui est un petit peu un roublard. Une autre qui est un petit peu une fille de riche. Le roublard, ça doit être lui. Ouais, c'est exactement ça. Ça peut être presque le personnage principal. Enfin, évidemment, mon frère, je crois qu'il l'avait. Il avait beaucoup aimé celui-là parce qu'il était incompris, tu vois, d'une certaine manière. C'est la fille de riche, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Après, on a le. Ouais. On a un peu le champion, le sportif. Ouais, c'est ça, il y a le sportif, c'est ça. Puis il y a la creep, je crois qu'ils l'appellent, ou bien celle qui est un petit peu bizarre. Elle est dans son coin, elle est habillée tout en noir, tu vois, elle se cache un peu comme ça. Et puis, c'est quoi le dernier archétype? C'est le. Ah oui, c'est celui qui est le sage. C'est le nerd. C'est un peu le nerd, ouais, c'est un peu le nerd, ouais. C'est celui qui est. Le nerd, c'est un peu le sage des années 80. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça. Celui qui savait tout. Mais en même temps, tu vois, il y a quand même des clichés, mais ils étaient tous traités, enfin, ils sont tous traités de manière très humaine et c'est. Ça, c'est joli. Il n'y a pas le côté trop non plus exagéré du nerd qui doit avoir des lunettes et puis qui rigole à ses propres blagues, tu vois. C'est, par contre, on a quand même plus... le cliché des gants de conduite, quand même. Ah, c'est parce que lui, il faut qu'il soit cool. Des même. Gants de conduite à clous. C'est peut-être un des cadeaux. Ah, tu crois? Oh, ok, ça c'est quoi ça? Le bandana. Attends, il y avait un bandana dans le film. C'était un bandana. C'était comme ça? Ouais, c'est ça. C'était dans l'autre sens, hein. C'était comme ça? Putain, je sais plus. T'en as jamais? Non. Non plus. Okay. Le petit pins. Ouais. Le petit pins qui est sympathique, qui va aller... Je crois que c'est sur le gant, en plus. C'est genre, ah, on n'a pas le gant, on a le pins du gant. Un agenda. Ah, et puis ça a même mis la date. Ah, bah, un 84, agenda. Ça. 84, notre année de naissance. Année de naissance. Ça date du film, d'ailleurs. Par contre, c'est un agent, c'est un cahier vide. Hein. Et le fameux t-shirt, comme la dernière fois pour César et Rosalie. J'ai absolument aucune idée de ce qui est marqué dessus. Du coup, tu peux lire. A brain, an athlete, a basket case, a princess and a criminal. Ouais, bah c'est les archétypes des personnages, là. A brain, c'est le nerd, effectivement. Voilà. L'athlète. Le basket case, alors c'est le sportif, c'est... Non, c'est quoi? Non, il y a l'athlète, basket case, je sais pas ce que ça veut dire, ça. C'est sûrement la... C'est celle qui est dans son coin, à mon avis, c'est ça. Bon, bah c'est plutôt chouette, cette box. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Toi qui connais le film, du coup. Bah, alors... je me rappelle pas, en fait, des... pas du pins ou bien du bandana, mais... Et ça, c'est chouette, ouais. Alors, il y a toujours le petit livret, hein, qui nous explique le contenu de la box, donc... C'est vrai que des gants, ça a été sympa. Voilà, bah, super, cool, une nouvelle super petite box, très sympathique. Moi, je me réjouis de découvrir le film. C'est chouette que tu l'aies vu, comme ça, t'as pu en parler un petit peu à la caméra. Ça m'arrange, c'est pour ça qu'il t'a invité, en fait. Voilà, et bah, ceci dit, c'était Super Canard et Daniel. Tu peux le faire en même temps que moi. Ça marche. Ciao.